Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous jouer un petit riff en open D, en open de ré, et vous le faire évoluer jusqu'à une rythmique entière, comme je viens de vous jouer, et je voudrais vous montrer un peu le processus et à chaque fois ce qu'on peut rajouter. Vaste programme. Mais avant toute chose, je tiens à faire une petite annonce aujourd'hui, et je tiens à vous dire qu'à partir de demain, voilà, donc mercredi, tous ceux qui sont inscrits à la mailing list vont recevoir une mini formation offerte pour vous donner toutes les bases de la guitare, blues, roots, un peu, voilà, tout ce que j'enseigne sur cette chaîne. Voilà, donc tous les membres de la mailing list vont recevoir cette formation. C'est une formation qui comporte 6 vidéos et donc voilà, vous allez recevoir une vidéo par jour pendant 6 jours. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à la mailing list et que ça vous intéresse, eh ben, le lien est ici juste en dessous dans la description. Et si vous voyez cette vidéo plus tard, ne vous inquiétez pas, ensuite tous les gens qui s'inscriront la recevront automatiquement. Voilà, et bien sûr, vous pouvez vous désinscrire dès que vous le souhaitez et je ne vous vends rien du tout dans la formation. C'est offert, c'est pour être sûr que vous ayez toutes les bases pour pouvoir suivre toutes les vidéos de cette chaîne. Voilà, donc si vous voulez, c'est le lien dans la description. Maintenant, on passe à la rythmique. Alors, pour jouer cette rythmique, déjà, je suis en open de ré. Donc, je vais vous donner les notes de l'open de ré. Hop. Ré. La. Je les vérifie en même temps. Ré. Fa dièse, La et Ré. La mélodie, elle vient d'une idée toute bête. En fait, on va vraiment disséquer et puis on va rajouter des couches. En gros, ce qu'on entend, c'est ça. Et on va voir de cette mélodie comment on peut justement arriver à la rythmique. Donc les notes, c'est quoi exactement? Ici, je vais faire un pull-off, un hammer, pardon, sur la troisième case de la deuxième corde. Je vais aller chercher la troisième corde à vide. Je vais rejouer ma troisième case sur la deuxième corde et je vais chercher la première corde de ré. C'est vraiment le pull. Je descends et je remonte tout en fait. Et là je monte comme un arpège. Ensuite je vais aller chercher la troisième case sur la première corde, corde à vide, et la troisième case sur la troisième corde. Ça, c'est vraiment le riff de base de base. Voilà. Alors, ce qui est déjà marrant, c'est que rien que ça, on pourrait le jouer dans un style complètement différent. On pourrait jouer le... dark ambiance et rajouter le pouce sur tous les doigts, sur tous les temps, pardon, sur tous les doigts, ce serait pas très pratique. Une ambiance très cool, très tranquille. On va essayer de comprendre ce qu'on fait. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de notes, encore une fois. C'est toujours le même principe. Quand on a la main droite qui tourne bien, bah, la main gauche peut se satisfaire de peu, justement.
Et donc, on a ça. Et ensuite, je vais chercher la troisième case ici. Ok ? Et là, je vais donc chercher la troisième case sur la première corde, qui est un Ré. La troisième case sur la troisième corde, qui est un Ré. Et j'ai un autre Ré ici. Et donc, je vais pouvoir aller chercher les notes à des endroits différents, donc aux octaves différents, mais j'aurai toujours la même note. Ok ? Donc, par exemple, je vais aller chercher mes troisième cases ailleurs pour justement changer un peu la rythmique. Donc, je vais vous montrer. Plutôt que de faire... Je vais faire... Donc, celle-là que je joue ici, je vais maintenant la prendre à la troisième corde. Et celle que je joue à la troisième corde, je vais aller la chercher sur la petite. Ok ? Donc plutôt que de faire... Je vais faire... Voilà, alors déjà j'ai mis le slide, je me suis un peu emballé parce que c'est quelque chose que je voulais vous proposer encore après pour faire monter les couches. Donc voilà, bah maintenant c'est fait, hein. On peut le faire en slide parce que du coup ça rajoute encore quelque chose et c'est sympa. Et alors ici, au slide, on va vraiment prendre les deux et les troisièmes cordes. Et on va déjà commencer à sonner plus gras, parce qu'on commence à être moins précis, c'est un peu voulu, ou des fois pas tout le temps, mais on prend quand même plus de place. Donc on passe vraiment d'un petit truc plutôt dark, minimaliste, où on va commencer à rajouter du gras et du slide. Avec des cordes qui traînent. Et alors, pour rajouter un petit côté Son House ou Buka White ou un truc un peu plus percussif, on peut carrément slapper la première corde. Alors, slapper, c'est quand on met son pouce en dessous et qu'on tire. Ok ? Donc, par exemple... Voilà, là, on va vraiment rajouter de la grinta et on va montrer qu'on n'est pas des gentils, quoi. Ok ? Une petite ritournelle de la main ici, on va faire. Ok, il faut vraiment mettre, si vous montrez comme ça, hop là, il faut vraiment mettre son pouce en dessous et tirer. Hop, attendez, vous voyez? Ok, donc on y retourne. Hop. Donc on va vraiment faire le slide après le slap. Et maintenant, ce qu'on peut rajouter en plus, c'est des coups étouffés. Donc on va avoir... Ok, et on va mettre le coup étouffé. Donc ça va faire... Après le slide, on l'étouffe. Et on va rechercher la petite note. C'est vraiment ça l'effet Son House aussi. Donc je vais vous le faire au ralenti. Ok, pour que vous voyez vraiment. Voilà, alors faut s'y retrouver parce qu'en fait c'est justement ça le principe un peu des couches. C'est que on joue peu de notes, il y a des cordes à vide, il y a des troisièmes cases, donc au bout d'un moment, on s'en mêle un peu les pinceaux et on ne sait jamais vraiment
où on s'y retrouve. Et c'est pour ça qu'il faut toujours garder ce temps. Vous devez avoir toujours le temps de savoir où vous en êtes. Et alors, un truc qu'on pourrait essayer aussi en plus, alors là, techniquement, ça devient un peu plus compliqué, mais c'est d'avoir ce... Voilà, comme je fais le scratch, là, comme ça, c'est d'avoir, en fait, ce scratch qui serait là un peu tout le temps. Donc, vraiment, essayer de garder ce côté un peu rythmique et percussif. Donc... Ça, vous pouvez encore essayer après. Donc, pour rappel, on vient de là. Et on arrive là. C'est un peu ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Je voulais vous montrer que quand on cherche un riff, on n'est pas tout de suite obligé de s'emballer et de s'enflammer ou d'essayer de refaire the big picture tout de suite. On peut vraiment commencer à chercher des mélodies et puis voir un peu comment on peut l'évoluer, ce qu'on peut y rajouter, mettre du slide, mettre du pouce, mettre du craquant, mettre du slap, chercher des notes à des endroits différents. Donc ça vous donne plein de pistes pour en fait faire évoluer vos riffs et pour pouvoir justement composer d'une manière différente. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut faire plusieurs. Vous pourriez très bien jouer cool quand vous chantez. Là, vous chantez. Alors, j'ai rien en tête là, donc je vais pas vous sortir. Et quand vous chantez... Vous enflammez, c'est vraiment jouer sur les ambiances, les intensités, ça c'est un truc qui marche tout le temps. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé, si vous avez des petits riffs que vous avez déjà essayés. C'est sympa de faire évoluer les choses, donc essayez. Et je vous rappelle qu'à partir de demain, la formation offerte arrive dans votre boîte mail si vous êtes inscrit à la mailing list. Le lien est ici, juste en dessous. Moi, je vous dis à vendredi. Ciao, ciao, bye bye.